Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Challenge des enfants parfaits. D'accord. Ils ont déjà tous dormi là, les monstres? Louis? Ah oui, bah il est un peu 6 heures. Bah c'est papa! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est papa qui se lève pas. Ouais, oui. Bon, bah papa, tu vas te lever? Tu vas te... Hein? Bouger les fesses? Ouais, papa, il est crevé, il a... Papa, il s'est couché tard. Mais papa, bah tant pis. Ils vont se débrouiller. Non. Parce que c'est des enfants parfaits et papa, il doit être parfait aussi. Non, qu'est-ce que je fais? Tu vas servir le petit déjeuner. Des toasts avec des œufs. Oh, et puis ils sont mignons. Bon, ils auront pas le temps de bouffer, hein, tous les gosses. Ils sont tous mignons comme ça. Dans la chambre à discuter, c'est trop chou. Alors, on va faire pause rapidement. Elle a besoin d'aller à la douche. Bah, tu vas prendre une douche. Toi, t'as aussi besoin de prendre une douche. Bah, tu vas prendre une douche. Je sens que déjà, les douches sont déjà blindax. Toi, tu dois juste faire pipi. Ben, il y a une toilette qui est encore libre. Voilà, maintenant, niveau salle de bain, c'est plus compatible. Elle dort. On va la laisser dormir. Elle nous enquiquine pas. Toi, bah, ça va. Toi, eh ben, tu devras te lever et faire pipi. Et toi, tu devras aussi te laver et pipiter. Tu vas faire pipi là. Logiquement, c'est compatible. Vous pouvez vous croiser. Entre les émotions. Parfait. Bon, bah, papa, ça sert à rien en fait que tu fasses à bouffer. Franchement, ça sert à rien. Mais bon, ce sera fait. On dira qu'il va manger ça le soir. Voilà. Pendant que lui, il va à la douche. Avec le mur, elle peut aller tranquillement aux toilettes et il n'y a pas de choc émotionnel et compagnie, quoi. Mauvaise plomberie, plombée sale. Ah, la toilette est sale. Ah bah oui, je suis désolée. Hein. Tu peux aussi utiliser... Ah non, tu peux pas nettoyer. Non, non, mais c'est bon, viens, viens là, viens. Parce après, tu vas croiser ton frère tout nu et ça va te traumatiser à vie. Ouais, t'as besoin d'une douche. C'est pas très grave, on va y arriver. Voilà, maintenant la douche est libre, tu peux donc y aller, ma petite Cécile, je crois. Oh là là, je sais déjà plus. Si, c'est Cécile, voilà. Papa, il a pas encore fini sa popote. Oui, bah, c'est bon, mec, hein. C'est pas grave, en plus, personne n'a faim, tu. Puis tu vas aller bosser, en plus, voilà. Ah, oh, bah, il était promo, il promis, il promis. Attends, 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 attends. Aller au travail. Non, je travaille depuis la maison. Pour mieux au poste. Sims des sondages. Il gagnera désormais 7 Sims plus de plus par heure, soit 23 de l'heure et au total. Et auto. Bref, et également reçu 141. Signaler sa présence à un endroit. Prochaine journée de travail, comme je dis, à 9 h. Nous sommes jeudi 8 h. Très bien. Mais les horaires, c'est nickel parce que c'est pile quand il rentrera du taf, il pourra s'occuper des gosses, quoi. Donc c'est perfect. Mais c'est marrant que les promotions elles arrivent comme ça le matin en fait. Et pas en début de journée en fait, au lieu de partir faire un vin. Ah, Nicolas! Nicolas! Oui, tu dois. Et tu vas faire pipi là parce que c'est. Tu vas pas aller te faire dessus. Oui, lui, il est toujours pas fini, hein, tout va bien. Allez, dépêche-toi. Voilà, cher. Putain, je vous jure, hein, je vous jure, moi. Et après, tu pourras aller en cours. Voilà. Papa, il va manger tranquillement son petit-déj, se finir. Alors, devenir concentré, signaler sa présence dans une boîte de nuit. Eh ben, c'est une journée très compliquée qui t'attend. Donc, tu vas faire ça. Non, ils sont pas passés dans le frigo. Tout va bien. Mon petit John, tu iras ensuite prendre une douche et tu iras aux toilettes. Et puis, tu auras dormir de nouveau parce que là t'as quand même besoin de dormir. Bon les gosses, on va leur faire réviser assidûment, réviser assidûment, réviser assidûment, réviser assidûement. Je sais plus, il y en a j'ai cliqué, il y en a que j'ai pas cliqué. Toi, tu vas aussi réviser assidûment, c'est pas grave, hein, on va tous. L'objectif, ça va être les A. Ça va être les A, les enfants. Mon John, voilà, il va être quasiment midi, tu relèves et puis tu répares ça rapidement.
Ouais. Dépêche-toi. Et puis après, on va aller en ville. Juste pour se signaler en boîte de nuit, il faut que tu deviennes concentré. Ça aussi, ça va être quelque chose. On a 655 siplouses. On n'est pas très très riche. Pour être concentré, il faut faire comment déjà? Il y a la table d'échecs. Ah, mais... Ok, super, John. Tu es parfait. Où est-ce que t'as mis l'état d'ordure? On le voit pas. Il n'y en a pas. Bon, c'est parfait. Alors, tu vas te bouger les fesses tout de suite. Tu vas te déplacer. Allez, go. Non, tu vas tout seul. Et nous voilà au velours bleu. Tu. Eh ben, tu vas venir ici. Tu vas... présentation amicale. Voilà. C'est déjà pas mal. Et puis, comment on fait pour se signaler ici, du coup? Ah, signer sa présence à le velours bleu. Voilà, il va faire un petit, une géolocalisation sur Facebook ou Sims de Book. Oh, Yabahorn. Bon, allez, dépêche-toi, gars. Arrête de papoter. Faut que tu deviennes concentré. Donc, moi, il faudrait que j'ai une table d'échecs dans le coin. Là, nous avons seulement les trucs pour faire les grillades. Et faut pas que j'oublie qu'il faut qu'il soit rentré à la maison pour 15 heures. Table d'échecs, où es-tu? Table d'échecs, où te caches-tu? Viens, on n'a pas dans le coin, bien sûr, je me suis fait U. Tatin. Mais c'est trop mignon, mais c'est comme ça, je vais jamais sur les... En fait, avec mon ancien PC, c'était tellement nul. Mon PC était tellement nul. Qui tellement iramait que j'allais jamais sur les terrains, quoi. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, t'as gagné des abonnés, c'est ça, mon gars? 15 abonnés, désormais 165. A signaler sa présence sur la droite. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Et puis, bah, écoute. Je vais prendre un selfie, tiens. On rigole. Mais il est où? Cette tête. Hop. Allez, c'est bien, on va pas en faire 15 000. Où es-tu? Ah, tu es là. Très bien. Bon, alors, moi, je vais chercher s'il n'y a pas un... J'en ai pas vu, hein. À côté, c'est quoi? À la salle de sport. Allez, bibliothèque, c'est bon. Allez, on va aller à la bibliothèque. Je pense que nous aurons notre table d'échecs. Et voilà. Là. Oui, c'est là! Réfléchir à une stratégie. Allez! Donc la bibliothèque. Hein. Oh, quel joli chapeau. Acquis la compétence logique. Mais madame, vous êtes enceinte? En tout cas, vous avez du ventre. Oui! Alors voilà, nous avons réussi les objectifs de la journée. C'était très 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 compliqué, hein, vous en conviendrez. Ah, il est 15 h, on n'est pas à la maison. Oh my god. Oh là là, je manque à tous mes devoirs. Oui, tu peux. Allez, on rentre à la maison là par contre. Dépêche-toi. Dépêche. Dépêche-toi, John. Parce que là, les enfants, ils vont dire « Papa, t'es où? Papa, t'es où ?» Voilà. Voilà. On est rentrés. On est rentré. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Non, tu vas jouer à la poupée, mais non. Alors, pause, parce que là, on doit gérer tous les monstres. Toi, t'es plutôt en bonne forme. Tu vas faire tout de suite tes devoirs. Toi, tu es ton dux. Tu es ton dux. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourras regarder la télé. Ça va te détendre. Paul, il est bien. Paul, il est bien. Il fera... ses devoirs et après il enchaînera avec la douche. Charlotte, elle est aussi tendue. Pff, tu vas jouer à la poupée. Donner un nom aux poupées, non. Ah oui, parce qu'elle peut pas jouer parce qu'il y a déjà deux personnes dessus. D'accord, bah tu vas jouer avec lui. Serrer le dragon, jouer, parler, dire un secret, voilà. Aurélie, elle mange. Mais
Ok, je vais te laisser manger pour l'instant. Nicolas, il est tendu aussi, il nettoie les flaques. Enfin, il veut nettoyer les flaques. Tu vas regarder aussi un peu la télé. Cécile, tu vas faire une douche tout de suite. Et puis, tu pourras te détendre après, je t'enverrai faire... Voilà, comme ça, tout le monde fait sa life. Papa, lui, il est bien. Tu vas un peu travailler ton réseau social. Vérifier le nombre de total d'abonnés. Vérifier. Oh, ben, si tu veux, tu peux venir, Lilith, mais nous, on a des enfants, quoi. Ça va être un peu compliqué. Bon, il a toujours 165 abonnés. Et là, pouf, il met à jour, il gagne 20 abonnés. Voilà, c'est très bien. Tu vas remettre à jour. Et tu vas remettre à jour. On peut pas faire grand-chose, en fait. C'est dommage. Le travail est pas très compliqué, mais... Hop, c'est ce que sont primés. Voilà, tu vas remettre à jour. Et puis, je pense que plus on va augmenter dans la carrière, mieux ce sera. Mieux on aura de comment ça s'appelle? Voilà, 20 abonnés. Il y a 205, c'est parfait. Bah, papa, tu vas venir nettoyer les toilettes. Et c'était qui que j'allais envoyer à la douche? Cécile. Cécile, c'est fait. Paul, il va à la douche. Très bien. Elle fait ses devoirs. C'est parfait. Louise. Ah, oh, punaise. Quoi? Et c'est moi, tu voudrais-tu aller au rencard avec moi, magasin de... oui, mais non, quoi. Faudrait que tu viennes à la maison. Les rencards, c'est mieux à la maison. Compétence 3 de la créativité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la table d'activité là. 805 Simflouz, on est vraiment pas riche. Mon petit John, je pense que tu vas nous faire un petit paysage et une figure mathématique pour qu'on puisse avoir un peu de pognon. Bon, Charlotte, j'essaie de lui faire remonter ses manières. En mettant la table. Contrôle des émotions, il va vraiment falloir que j'achète. Radio, instrument et courir pour se vider l'esprit. Alors, mais les enfants, ils peuvent pas courir. Mais ouais, il va falloir que je prenne des instruments, mais on n'a pas de thunes, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mon papa, il nous a fait une toile à 187. On va pas devenir riche, mais c'est déjà ça. Et puis, je m'étais souvenu que je voulais faire apprendre à dire pardon et compagnie à tous les gosses. Est-ce que je l'ai fait? Elle est où? Ah bah oui, de dos, je l'avais pas vu. Éducation. Apprendre à dire pardon, pardon, s'il vous plaît, merci. Et ben voilà, on va faire Louise Simpson qu'on avait fait. C'est Philippe ou Paul? C'est Philippe, on lui avait déjà appris. Bon, papa, il n'en peut plus. Mais bon, on va. Voilà, ça va être chacun son tour. Le pardon, le s'il vous plaît, merci, tout ça. Voilà, on va gagner des sous grâce aux assiettes. Toujours les assiettes. Les assiettes, c'est la vie. Et puis, je vais rapidement. Elle a fait ses devoirs, ça je le sais. Toi, je suis pas sûre que tu les aies faits. Tu vas les faire. Toi, tu vas les... Ah bah faire du travail supplémentaire. Franchement, vas-y. Je vais tous les faire bosser. Parce que ça va, on est jeudi, demain, il y a encore école. Voilà. Tout le monde. Et puis Louise, comme elle les a déjà fait, c'est plus facile pour lui apprendre des choses. Puis ça fait augmenter ses manières. Papa, il va manger son toast avec œuf. Et moi, je m'occupe toujours. Et des assiettes! Mais on va gagner plus d'argent avec les assiettes achetées dans la poubelle que à bosser. Donc franchement, je vous dis, cette poubelle, c'est la vie, quoi. J'aimerais en avoir une comme ça chez moi. Bon, ben voilà. A priori, les bonnes manières, c'est nul. D'accord, mais ça t'a augmenté. Ouais, il y a contrôle des émotions qu'il faudra faire aussi.
Bon, on est à 1300, je vais pouvoir peut-être acheter un instrument ou deux. Mais alors, ça va me péter les oreilles, les violons là. Bon, on va voir ça tout de suite. J'ai peur. J'ai très peur. Ah, j'ai des tapis de yoga. Alors, du coup, ils peuvent le faire, le yoga, les enfants, ou pas? J'en ai aucune idée. Guitare acoustique. Tac, tac, tabouret de contemplation introspective. Ah. D'accord, bon. Nous avons violon. Mais on a un violon normalement spécial enfant, hein. Je dis pas de conneries. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Et je ne connais pas ça. Cette table. On va la prendre comme ça. On va bien voir ce que c'est fait. Alors j'ai aussi pris ça là, les petits machins de kit médecin, je sais pas quoi. Et il nous reste 922. Donc on va prendre un petit violon. On va le prendre blanc pour satisfaire tout le monde. Et puis on va le foutre là. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, bon, je veux pas forcément tous les foutre au violon. Hein. Sinon on va plus avoir d'oreilles. Mais voilà. Toi, bah, va pisser après. Hein. Franchement, fais bien ta vie comme tu l'entends. Toi, bah, t'iras aussi. Voilà. Je pense que comme après, ça va être le week-end, ça va être facile. Il est 20-20h, ça va être la fin de la journée. Elle a envie, la Lilith, quand même, non? Elle n'arrête pas de lui rentrer dedans, lui faire des propositions, quoi. Non, non, non. Mais viens! Non, tu vas lui demander de passer plutôt, parce que si elle... après c'est Lilith, elle veut jamais se déplacer. Voilà. Il est mort en plus, le pauvre. Donc j'en étais où moi avec mes enfants? Toi tu iras ça et ça. Voilà. Toi c'est bon. Toi t'es bien. Eh ben tu sais. Attends. Ah tu vas, c'est juste pour dessiner. Ah, c'est, on s'en fout. Voilà, tu vas pouvoir faire ça. Nicolas, il va aux toilettes après. Et Cécile. Et Cécile, vas-y, entraîne-toi au violon qu'on rigole. Ouais, remarque, elle contrôle les émotions, elle, c'est bien. Donc c'est tout le reste qu'il faut faire. C'est marrant, comme à chaque fois, c'est tout le contraire. T'as pas invité Lilith? Il a pas invité Lilith. Invite-la, propose un rencard. Ah non! Elle est là! Non. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'en ai marre! Alors. Plus de choix éducation. Obligé à. Obligé à faire pipi. Mais. Ah non, c'est pas lui qui a fait ça? Attendez, je suis paumée. Ah non, il le fait lui-même. Oh là, d'accord. C'est pour ça que je comprends pas. Vous pouvez pas le faire. Ah, mais il a pété les toilettes, Nicolas. Voilà, ça reste supplémentaire terminé. Ah, mais elle est là, Lilith. Punaise, j'ai du mal, moi. Bon, bah, va nettoyer les chiottes. Et puis après, tu pourras parler à Lilith. Franchement, je m'y attendais pas à ce qu'elle vienne, parce que avec les parties de Marois, elle peut jamais venir. Un petit peu de blague, partager des idées. D'accord, t'as trop de choses déjà en attendant. Bon, super. Ça y est, il a enfin fini de réparer les toilettes. Il est mort. Viens montrer à Lilith ton beau pyjama, tes fesses avec ton petit bisou dessus là, que ça lui donne envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Mais non, tu vas pas aller avec les poupées, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Voilà. Allez, vous pouvez discuter. Ah, ils sont en train de parler là. Ils parlent mais sans la voix. Ok. Ah, ça y est. En amour, tu vas la draguer un petit peu, hein, histoire de. Faut pas perdre l'avance qu'on a. Et pendant ce temps-là, on a Cécile. Oh là là, catastrophe. Allez, non, c'est bon, tu peux aller dormir. Tout le monde au lit. Ouais, toi aussi, t'auras assez dessiné.
Philippe, tu es bien? Elle nettoie. Bah écoutez, j'ai des enfants qui sont quand même bien éduqués. Hein. J'ai cru qu'il était dans la chambre du père. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est privé la chambre du père, voyons. Discuter des plaques gastronomiques, surtout avec une vampire. Comment s'est passée la journée? La journée de transformation? Ben non, pas encore, non. Ah, se rattraper, il a dit une connerie. Mais merde, John. Tu déconnes. Hein. Quand même, compétence 3 au niveau charisme. Ah, bon, toi, tu arrêtes de nous cousser les couilles, mec. Voilà! Est-ce que tu es célibataire, ma belle? Faut monter toujours un peu l'amitié avant de d'attaquer. J'aimerais bien finir, quand même. Échanger le numéro de téléphone. Ah, vous voyez, elle est célibataire. Kabuni. Petite conversation profonde. Bon, allez, tu vas lui rentrer dans le lard, hein. Je sais, t'es fatigué. Hein. Tu vas recomplimenter l'apparence. Et tu vas la draguer. Et puis tu vas l'enlacer. Allez, mon John! Elle a enfin quitté. Ah, yes! Elle a enfin quitté son truc. Premier baiser! Ah oui, non, c'est pas grave! John! John, tu gâches tout! Premier baiser, arrête avec ton envie de pisser. Je pense que t'as une envie plus. Oh non! Non, ne pars pas, Lilith. Ne pars pas. Mais non, n'allez pas non plus dans la chambre avec les gosses. Oh, et puis, lui, il doit se retirer de pisser. Ah, mais franchement. Attention! Yes! Un petit bisou. Oh, ouais. Envoyez un baiser. Et puis, mon beau, après, tu vas aller. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Merci Lilith d'être passée. C'était sympa. Après, tu vas aller aux toilettes et tu vas dormir. Et puis, on sera bien parce que là, c'est plus possible. Charlotte, qu'est-ce que tu fous encore debout? Ah oui, d'accord. Elle va manger à cette heure-ci. Très bien. C'est parfait. J'ai pas d'assiette à acheter, donc. Voilà toute la classe de John, d'un homme à terre. Ouais, bah c'est pas grave, vas-y, va pisser. Et puis, on pourra ensuite passer à la journée d'après 1h30 du matin. Mais qu'est-ce qu'ils font debout? C'est pas possible. Va dormir. Mais pourquoi ils font tous des siestes? Mais ils ont pas. J'arrivais pas à attribuer un lit. Là, je suis confuse là. Bon. Tu vas prendre ce lit ici, puis c'est tout, hein, tu vas dormir. Charlotte, tu vas réclamer et tu vas dormir. Toi, là, arrête! Puisqu'ils sont obsédés avec cette maison de poupée, c'est pas possible. Va dormir. Bon, on est bien. Tout le monde dort ou presque. Il n'y a que Charlotte qui a décidé de se lever en pleine nuit parce qu'elle avait faim. Mais c'est bon, je vais l'envoyer dormir aussi. Bon, et bien là-dessus, moi je vais vous quitter. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais non, elle va le bouffer ou quoi? Non. Allez, dormir. On s'en fiche, là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode des enfants parfaits. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. On va éteindre ici. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'ai cru qu'elle allait le rejoindre dans son lit. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.